Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière académique. Non, c'est pas académique, je sais pas pourquoi à chaque fois je fais ce petit lapsus, c'est centre de formation. Alors les gars, on est parti pour continuer. Juste avant, comme d'habitude, si vous kiffez toujours cette petite série, on est à la recherche de la pépite ultime. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, tu connais les bails mon frérot. Tiens d'ailleurs, je vais tout de suite voir un peu les messages, voilà, hop, ça c'est bien. Tac, 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 travaille plus et tout est sous contrôle. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans le dernier épisode? Petit récapitulatif, on avait été viré. On avait été viré parce que j'avais mal géré le mode et tout pour être invirable. Du coup, malheureusement, bah, pas viré, hein, voilà, voilà, voilà. Alors, on a changé de club, on est à Grimsby maintenant. Et on repart. On repart de presque zéro. Écoutez, c'est pas très grave. J'ai vu vos commentaires. Hein, il y en a qui m'ont dit t'aurais dû libérer les Baker et compagnie et te les aurais repris avec Grimsby. Il y en a qui m'ont dit bah, tu peux tout simplement aller les racheter et tout. Écoutez, c'est de l'histoire ancienne. Quand on est viré, on assume et on passe à quelque chose d'autre. Puis c'est pas si grave. Hein. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, tout ce qui se passe avec l'équipe et tout, c'est très secondaire. C'est très, très, très secondaire. Et puis, comme dit, l'objectif ultime et principal de cette petite série de vidéos, c'est de choper un joueur à 5 millions. Je pense qu'une fois qu'on aura chopé le joueur à 5 millions, il y aura peut-être 2-3 épisodes bonus si jamais. Quand même le voir évoluer, bien sûr, on veut quand même un peu le voir évoluer. Hein, et après ça, les gars, bah, je pense qu'on aura fait le tour. Hein, qu'on aura fait le tour. C'est parce que je sais que vous aimez bien ce genre de petite série, hein, les trucs avec le centre de formation, que ce soit académique, que ce soit centre de formation pur et dur, que ce soit carrière gestion, que ce soit machin. Je sais que vous aimez bien. Donc, bah, écoutez, c'est pour ça qu'on propose cette petite série de vidéos. Je pensais que ça allait être peut-être plus rapide. Écoutez, ça se trouve, il y aura 100 épisodes. J'aurai toujours pas de joueur à 5 millions. Hein. J'aurai toujours pas de joueur à 5 millions. On sait pas. Ça se trouve, je sais pas à quel point c'est rare. Je sais pas si vous avez eu souvent des joueurs à 5 millions. Moi perso, j'en ai jamais eu. Donc on verra bien. On verra bien. C'est un petit peu le suspense. Alors, on en était où? On en était où? Bon, on est d'accord que là, on est bon. C'est vrai que je cherchais des doubles 5 étoiles. Alors oui, on me le répète dans les commentaires. Il n'y a pas besoin de double 5 étoiles, c'est juste le jugement qui est le plus important. Mais on aura plus de chances d'avoir un joueur à 5 millions si on a un double 5 étoiles. C'est plutôt logique, c'est plutôt logique. Et c'est ce que j'étais en train de rechercher, justement. Et il nous faut du coup un autre double 5 étoiles. Du coup, on va continuer à le chercher. Hein. Je crois qu'on était en train de simuler semaine par semaine. Et ben, on va continuer jusqu'à trouver le troisième, les gars. Ouais, on faisait de vendredi en vendredi. Donc écoutez, hop, c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est ce qu'on va faire. Let's go. Let's go, let's go. Alors, on espère quand même que ça va plutôt bien se passer avec Grimsby. Qu'on n'aura pas... non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'on n'aura pas de problème. Bon, maintenant, on peut plus être viré, normalement, si je gère bien le truc, hein, sait-on jamais. Mais j'espère que il n'y aura pas ce truc, vous savez, ce truc de... il a perdu du potentiel, lui. Balogun. Il s'appelait Balogun, Kingsley Balogun? Je me rappelle même plus, les gars, bref. On n'aura pas ce truc de, parce qu'on est une petite équipe, même quand on a beaucoup de très bons joueurs, on n'arrive quand même pas, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi les carrières académiques, c'est en Espagne avec Ibiza, où j'avais des joueurs avec le niveau de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo, prime, hein, bien sûr, et qui, et on était bloqué en D2 pendant, je ne sais plus, 3-4 saisons, c'était impossible de monter. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que bah, la simulation n'est pas forcément toujours très bien faite dans FIFA. Donc écoutez, on verra. J'espère qu'on n'aura pas ce souci. Même comme je dis, au pire, c'est pas très grave vu que c'est secondaire. Moi, je veux juste une pépite à 5 millions. Alors, est-ce qu'on a un petit double 5 étoiles là pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté? Non, écoutez, on prend notre patience. On va prendre notre temps. Je sais qu'il n'y a pas forcément besoin, mais je veux mettre toutes les chances de mon côté avec 3 recruteurs double 5 étoiles. On devrait quand même réussir à trouver, enfin je l'espère en tout cas, réussir à trouver une méga pépite. J'ai vu aussi des petites propositions, on m'a proposé des... ah bah tiens, il est là, let's go, un petit Islandais. Parfait, on va l'envoyer. On m'a dit de... Alors c'était quoi? C'était Eli en Argentine apparemment. On m'a essayé de me donner des petites recherches un petit peu plus spécifiques. Écoutez, je vais essayer de vous de faire comme... ce que vous me proposez, hein. Donc Eli Argentine, je crois que j'ai vu 2-3 trucs, faudrait que je regarde dans les commentaires, je crois qu'il y avait Croatie, tout, gardien suisse, bon ça on avait déjà vu, hein, gardien suisse, on avait chopé des gardiens assez incroyables, donc écoutez, maintenant qu'on est bon à ce niveau-là, vous savez quoi, juste pour avoir toujours les rapports en même temps,
Bah, on va simuler jusqu'au mois prochain maintenant. Donc on est le 13, on va simuler jusqu'au 13, tout simplement, voilà. On va du 13 au 13, et on espère, de la grosse pépite, les gars, bien sûr, hein. On veut de la grosse pépite, on veut enfin un joueur fou. J'aimerais avoir un joueur fou, un joueur qui a... Moi, je vous dis vraiment ce que je kifferais, comme je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. C'est un petit jeune de 15 ans déjà, hein, le plus jeune possible, qui commence déjà à plus de 70 de général. Ce serait fou, hein. Avec bien sûr un peu devenir spécial. Bon, j'imagine que dans tous les cas, si t'as 15 ans, 70, t'as de très grandes chances d'être peu devenir spécial. On a des petits rapports mensuels. Ok, bah oui, c'est normal. Là, il y a Kingsley Balogun. Et c'est parti, les gars, pour... Donc, ça commence déjà avec Bruno Cortés. Bruno Cortés, qui peut être intéressant s'il commence à 70. Malheureusement, c'est que, entre guillemets, 975 000. On va quand même le prendre parce que là, on est au début avec Grimsby et on peut peut-être trouver des joueurs intéressants. On va voir si vous avez raison, hein, en tout cas pour les propositions. 1,2 million ici, bon écoutez, je le prends parce qu'on en aura besoin pour l'équipe. Mais en soi, il n'avait pas un potentiel maximum, mais écoutez, ça peut monter. C'est vrai qu'on était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est vrai qu'on finissait l'Afrique, hein, parce que l'objectif aussi, c'est de faire tout le monde entier, hein, tous les pays qu'on nous propose. Dans les recherches de pépites, il n'y a rien eu en Afrique du Sud. Et au Nigeria, est-ce qu'on aura quelque chose d'intéressant? Lui non. Ouais, c'est pas fou, les gars. Ah, c'est pas fou. Faudrait peut-être... 1 100 000, il peut être pas mal, mais il n'a pas un gros potentiel. Mais il faudrait peut-être un petit peu plus spécifier les recherches. Peut-être qu'il faut que j'essaye de faire ça. On essaiera. On essaiera en tout cas. Mais on a quand même quelques petits jeunes, là. Sait-on jamais, hein, si les potentiels augmentent. Sait-on jamais, on a déjà Kingsley Mohamed. Ah, maintenant, ils s'appellent tous Kingsley au Nigeria. Il y a Kingsley Balogun, il y a Kingsley Mohamed. Alors, physique énorme. Énorme physique, hein, 84 déjà, grosse pointe de vitesse. Et après, il est super complet partout. Non, mais me faites pas jurer que lui, il n'est pas MC, les gars. Regardez-moi ce joueur complet de zinzin. 59 en défense, en dribble, 55 en passe et 57 en tir. Non, lui, les gars, il peut. J'espère que ça prend pas 10 milliards de millions de semaines de le passer MC parce que. C'est pas logique, les gars. Je vous jure, c'est pas logique. Il a les stats pour. Il est tellement complet. Il a presque 60 partout. Bien sûr qu'il pourrait être MC, MDC peut-être, du coup. MDC 9 semaines. Pourquoi? Ouais, je vais peut-être essayer de le passer d'abord MDC. Mais en tout cas, je pense qu'au milieu de terrain, il peut être bon. Hein. Je pense vraiment, avec son physique et tout, j'ai envie de le mettre MDC, les gars. Ça prendra un petit peu de temps. Mais lui, j'ai envie de le mettre MDC. D'ailleurs, 63 de général. Hein, 63 de général. Ok, ensuite on a Balogun toujours qui est là. On a donc Bruno Cortés qui lui a potentiel max. Alors, c'est pas des stats folles pour commencer. Il est quoi? Il est milieu gauche. Ouais, écoutez, je pense qu'on est plutôt sur un bon poste. Je vais juste le passer en ailier gauche et puis ce sera pas si mal. Et on a donc Fernando Ferreira qui. C'est le même joueur, les gars. C'est le même joueur. Regardez les stats, c'est quasiment les mêmes. Ah, on est sur quasiment le même joueur, sauf qu'il est un peu plus petit. Ouais, après, il n'y a que 4 cm. Hein. Ah non, vraiment, en plus, ailier gauche aussi. On est sur le même joueur, les gars, vraiment le même. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bah écoutez, j'ai envie de d'abord commencer à améliorer encore ses points forts. Comme ça, il va vraiment être très très fort sur certains domaines. Et attendez, je peux peut-être en prendre quelques-uns là, non? Parce que lui, il a quand même 62 de général. Je vais le prendre dans l'équipe. Lui, il a 60. Je vais attendre quand même les changements de poste. Les changements de poste, ce sera quand même bien d'avoir d'abord changé de poste. Mais écoutez, je pense qu'on peut. Est-ce qu'on peut aller sur le prochain? Oui, on peut aller sur le prochain mois. Hein. On va directement sur le prochain mois. Attendez, j'ai quand même pris un gars. Est-ce que je le mets titulaire? C'est juste ça aussi. Il faut que je regarde un petit peu dans la gestion d'équipe. On a quand même Koulibaly qui a 65, on a Adjemang qui a 62. Faut regarder aussi les mentions. Hein. C'est vrai que les mentions, c'est ça qui va vraiment déterminer qui est titulaire et qui ne l'est pas. Du coup, si on regarde, attendez, on va juste regarder les jeunes joueurs. Ce sera plus simple. Ah oui, mais c'est vrai qu'on ne peut pas trier par âge. On va trier par général, tant pis. On va juste regarder. Donc on a Koulibaly qui peut devenir spécial. On a déjà un peu devenir spécial, de belles perspectives d'avenir pour Adjemang et Ferreira qui est doté d'un énorme potentiel. Bah écoutez, ils sont plutôt bien postés. Et là c'est vrai qu'on a beaucoup. Oula oui, oula. Oula là là là, faut peut-être renouveler là, j'avais pas vu ça. Ah mais non mais attends, mais s'ils sont tous en pas de.
Voilà, merci, prends 2 ans. Là, on va essayer de renouveler un petit peu tout le monde, là, parce que sinon, c'est la crise. C'est la crise. 1 an ici, ok. Green, il va prendre 1 an. Oui, on y va prendre 2 ans. FET, il va prendre 1 an. Ok, parce que là, il y a vraiment énormément de joueurs qui sont en fin de contrat. Donc là, ouais, faut peut-être pas déconner, quoi. Clifton, tu prends 1 an. Curry, tu prends 3 ans. Et Holohan, c'est un mec qui est en prêt, j'imagine, chez nous, c'est ça? Non, même pas. Alors pourquoi je peux pas le... Il part en retraite, peut-être? Je ne sais pas. Donc on a deux joueurs qui vont partir. Et là, maintenant, on peut donc directement se diriger vers le mois prochain, les gars. Hop, on va jusqu'au 13. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'avais regardé les objectifs, je sais même plus si j'avais regardé les objectifs. J'imagine que oui. L'objectif est d'éviter de finir mal classé. Je crois qu'on a quand même quelques petites victoires. Ça se passe plutôt bien par rapport aux objectifs, en tout cas. C'est pas horrible. J'ai l'impression que c'est pas horrible. On va regarder le classement là juste après. Et on regardera de nouveau les objectifs pour être sûr que c'était l'objectif, hein, d'éviter de finir mal classé. Regardons directement avant d'aller voir les messages. Alors, comment ça, il y en a un recruteur? Ah, j'ai fait le con, j'avais un recruteur disponible. Bon, bah écoutez, my bad. Bah, écoutez, je vais l'envoyer directement. Je crois qu'il fallait finir l'Afrique. Alors, on a fait Maroc, Algérie, on a fait Égypte, on a fait Afrique du Sud, on a fait Cameroun. Je sais plus, les gars. Je crois qu'on avait... Ah, j'ai un doute sur le Cameroun. Si, on a fait, hein. Si j'ai fait l'Afrique du Sud, normalement, je les prends dans l'ordre. Donc, je crois qu'on a tout fait, hein. En Asie, on a fait Chine, on a fait Corée du Sud, on a fait Japon. Par contre, on n'a pas fait Inde. Et on n'a pas fait Arabie Saoudite. Donc, vous savez quoi, on va partir en Inde. 3 mois, c'est parti. C'est parti, comme ça, c'est fait. Du coup, je voulais voir quoi, le classement, les objectifs. Les objectifs, on est d'accord que c'est... Ah non, c'est finir en milieu de tableau. Ah, comment ça, finir en milieu de tableau? Les classements, on vient de voir, on est 23e. Hein. Donc, je pensais que ça se passait ok. Par contre, Sutton, c'est quoi ça? Sutton, ils n'ont pas fait une victoire, les gars. Waouh, ils ont 8 points. Ils ont 8 points. Bah écoutez, heureusement qu'on peut pas se faire virer, hein, parce que sinon, on serait dans la merde. Demande de transfert de Bruno Müller. C'est qui, Bruno Müller? Un défenseur gauche. Pourquoi il joue pas, lui? Il a 69. Bruno Müller, t'as quel âge, Bruno Müller? Il a 19 ans. Il vient d'où, lui? Il vient d'où, Bruno Müller, les gars? Je sais même pas qui... Écoute, il a qu'à partir. Je sais même pas qui c'est, Bruno Müller, les gars. Offre de transfert première. Bah tiens, est-ce que je peux l'accepter, l'offre? Allez, hop, c'est bon, elle a accepté. Comme ça, ils sont contents. Hop. Ok. On a les rapports mensuels, les offres. Match décalé, risque de perdre un joueur. Oui, c'est normal. Et oui, le changement de poste. C'est vrai, le changement de poste, Cortés. Le changement de poste de Cortés, il prend plus 1. Il prend juste plus 1. Écoutez, bah, on va le passer. Voilà, meneur de jeu latéral, c'est plus rapide. Et puis, on le prend dans l'équipe première. Hein. Bon, par contre, après, là, c'est très décevant. C'est très décevant en termes de potentiel. Là, ça fait que de descendre. C'est un petit peu dommage. Et du coup, on n'a que 2 rapports vu qu'on s'est un petit peu merdé. Alors, du côté de l'Argentine, est-ce qu'on peut avoir un petit Léo Messi, là, ailier droit? Ailier droit. Pourquoi pas Alvaro Paredes, 1,9 million. Ouais, ça. Ça, j'aime bien. On a Fabrizio Bravo aussi. Alors, je peux prendre, même si j'y crois pas trop. Et du côté de l'Afrique du Sud, il y avait potentiellement du potentiel ici, hein, du côté de Boban Smith. Écoutez, je vais prendre, on sait jamais. Bon, je vais pas tous les prendre non plus, sinon ça va être le bordel. Et du coup, dans le centre de formation, on va pouvoir voir les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc on a Paredes, hein. Paredes qui est pas mal du tout. Paredes qui est quoi? Qui est ailier gauche. Et il est pas mal, hein. Est-ce qu'il serait peut-être pas même MOC? Là, je suis en train de me dire avec 61 de passes, les gars, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous serez d'accord avec moi, là. Il y a quand même une bonne stat de passe. Après, il faut regarder vraiment. Ouais, c'est des faux stats de passe en soi, parce qu'il a quand même que 59 en passe courte. Et 52 en passe longue, là où il est vraiment fort dans les passes, c'est effet, c'est centre. Donc c'est tout ce que tu as besoin plutôt quand tu es un ailier. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut quand même regarder plutôt en détail. Donc je pense qu'il est plutôt à son poste finalement. Même si on pourrait augmenter ses passes et le passer à Mossy, hein. c'est pas impossible. Mais j'aimerais d'abord augmenter un peu ses dribbles. Un petit peu ses dribbles, agilité, équilibre, conduite de balle, dribble. Ça me paraît plutôt pas mal avec centre et vitesse, c'est bien.
C'est bien, on va partir là-dessus. Bravo, 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 qui lui est milieu droit. Bon, écoutez, je pense qu'il a son poste, mais il sera pas très bon. Lui, il va pas être exceptionnel. Je le sens. Hein, allez, hop, je le mets milieu latéral, il sera bien. Et Bobang Smith, AT, dribble. Ouais, bon, écoutez, peut-être que lui, si on arrive à le mettre sur le côté, il va prendre un peu de niveau, mais bon, dans tous les cas, je pense qu'il sera pas non plus exceptionnel. Hein. En plus, il a faible, faible. Ouais, non, il est vraiment pas bien, lui. Pour le coup, lui, il est vraiment pas bien. Pas d'étoile, mauvais pied. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Il va pas être exceptionnel. Et lui, il lui reste combien de temps, là? Ça devrait plus tarder, là, c'est ça? 5 semaines, quand même, encore. Encore 5 semaines. Donc, on peut encore simuler un mois. Mais dans tous les cas, lui, il a pas de potentiel de fou. Hein. Donc, lui, c'est un petit peu foutu, les gars. Un petit peu foutu. Qu'est-ce que tu me dis? Attendez, qu'est-ce qui se passe, là? Je voulais voir les messages. Tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas. Une bonne influence. Ne t'inquiète pas. Du coup, je pense qu'il faut que je renvoie du recruteur, là, si je ne m'abuse. Même pas. On est d'accord qu'ils sont tous... Ok. Ah non, je sais ce qui s'est passé avant, en fait. Non, mais non, on n'avait eu que 2 rapports. Ah, je sais pas, en fait. Bizarre, bref. On repart pour un mois, les gars. On repart pour un mois, tranquillement, jusqu'au 13 février. Hein. On est en période de transfert. Jusqu'au 13 février, on peut simuler. On espère faire quelques petites victoires. Voilà, on enchaîne 2 victoires de suite, c'est très bien. Une troisième, ce serait légendaire. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais ça peut être très bien, remonter un petit peu les places. Même si on ne peut pas se faire virer. Je veux quand même essayer d'atteindre les objectifs, hein, quand même, les gars. On a quand même envie de performer, quoi. On a quand même envie de performer, donc... pourtant, on a une équipe pas si mauvaise. Hein. En vrai, quand je vois le général de nos joueurs, les gars, je me dis, on n'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Rapport mensuel. Pas de rapport sur le recrutement. Je vous informe que je n'ai... aucun rapport à transmettre ce mois-ci, le recrutement des jeunes, je poursuis ma mission. Attendez, c'est possible ça? En plus, c'est le président, comment ça? Comment ça, mon frère? C'est possible ça? C'est possible qu'on me dise qu'il n'y a pas de rapport? Vraiment, les gars? Je savais même pas que c'était possible. Genre là, on vient clairement de me dire qu'il n'y avait pas de joueur, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire, mais on sait même pas du coup c'est lequel. Pourquoi c'est le président, je ne sais pas. Il se passe des trucs bizarres, les gars. Il se passe des trucs bizarres, je vous le dis. Alors. En tout cas, ouais, il y a du... Ouais, bon, écoutez, Marc Pérez, bon, il a 15 ans, allez, parce qu'il a 15 ans, je le prends, mais en soi, c'est pas non plus la folie. Du côté de l'Inde, est-ce qu'on aura un joueur indien exceptionnel? On a Utam Mohamed, qui a... Ouais, pareil, t'as 15 ans, je te prends, mais bon... Ah, on n'a pas trouvé des gros joueurs, les gars, là, je suis un petit peu déçu. C'est pas la folie. C'est pas la folie furieuse. Et du coup, ouais, les 2 recruteurs sont disponibles. Donc c'était vraiment ça, quoi. Il n'y a pas eu de joueurs. Alors là, je suis sur le cul. Hein. Du coup, on a fini l'Afrique. Asie, il nous restait Arabie Saoudite. On part sur 3 mois en Arabie Saoudite. Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait États-Unis. J'ai pas fait Mexique. Hein. Je crois que j'avais fait que Canada ici. Hein. Je crois non, États-Unis, j'avais peut-être fait, mais Mexique, j'ai pas fait. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir fait le Mexique, donc on repart au Mexique. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, on repart sur un mois de simulation. Et là, on espère avoir du très très lourd, les gars. Là, j'espère vraiment avoir du très très lourd sur les prochains mois. Là, ce serait vraiment kiffant d'avoir un gros joueur. Là, pour l'instant, je crois que c'est 3 millions 4 hein, le plus gros joueur qu'on ait eu. On a envie de rebattre ce record. Un petit 4 millions, on se rapprocherait des 5, mais l'objectif ultime, c'est d'avoir un 5 millions, les gars. D'avoir un 5 millions. Après, ça se trouve, c'est tellement rare, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Là, on a bien 3 rapports mensuels. On a des offres un petit peu par-ci, par-là. Ouais, vous inquiétez pas. Mohamed. Ah, le changement de poste de Mohamed, si, ça, c'est important. Parce que je pense que lui, il peut prendre un petit peu de niveau quand même. Putain, foutez de ma gueule, là. Ah non, c'est un autre changement de poste. Mais non, il n'y a même pas de changement de poste, là. Hein? Je t'écris pour te dire, nous sommes satisfaits des progrès de Mohamed. Nous pensons qu'il est prêt pour changer de poste et pour passer au milieu défensif comme nous avons des difficultés. Bah ouais. Mais il n'y a pas. Frérot, il y a... Comment ça mon ref? Il me dit qu'il y a encore 3 semaines et eux me disent qu'il est prêt. Bon écoutez, c'est juste buggé. C'est juste buggé, très bien. En tout cas, on a les 3 rapports. Allons-y les amis. Allons-y, alors en Inde. En Inde, bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur pays pour trouver des pépites, hein, forcément. Ah, je vais pas le prendre, lui, je vais pas le prendre. Nous, on attend juste du... maintenant, je veux quand même du très très lourd. Je veux du très très lourd, les gars. Au Mexique, par contre, on peut quand même trouver des bons joueurs, non?
Alors, c'est pas qu'au Mexique, là, il y a moyen de trouver du très gros joueur. Bah, écoutez, peut-être pas forcément dans ce rapport-là. Et en Arabie Saoudite, hop, hop. Ok, on a Basil Al-Otaibi. Ouais, non, non, non. Ah, par contre, Habib Al-Sharani. 700 000 seulement. Ah, tu déconnes, j'ai envie de le prendre quand même. Je me dis, allez, peut-être qu'il n'est pas à son poste. Mais c'est quand même très, très rare, les joueurs qui sont pas du tout à leur poste et qui peuvent prendre genre un plus 10. Hein. C'est quand même très rare. C'est arrivé quelques fois, oui, mais c'est quand même très, très rare. Alors, du coup, là, on commence à avoir un petit peu beaucoup de joueurs. Donc, Al-Sharani qui est ailier gauche. Ouais, bah ouais, il est à son poste, les gars. Il est à son poste, hein, donc bon, ça va pas être, ça va pas être la folie. Hein. Lui, je vais quand même le promouvoir en équipe senior. Lui, il a 15 ans. Et lui, j'attends toujours son changement de poste où on s'est foutu de ma gueule. Marc Pérez qui a 15 ans, lui. Ouais. Hein. Pas trop quoi faire de lui. Hein. Je sais pas trop quoi faire de lui. Et Mohamed. Mohamed, 15 ans, c'est à peu près le même joueur aussi avec vitesse, ça se fout ça, c'est le même joueur. C'est les mêmes joueurs les gars, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Je sais pas quoi faire de ces joueurs-là, hein. C'est pas des joueurs qui vont évoluer de fou. De toute façon, nous on veut de la pépitasse, hein. Je les laisse pour l'instant là, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe les amis. Bah écoutez, je pense qu'on va se faire un petit dernier mois. Allez pour la route, un petit dernier mois, trois derniers petits rapports. Et puis on sera bon. On sera bon pour aujourd'hui. Et j'espère qu'on va choper du lourd. Oui, effectivement, choper du lourd, les gars. On a envie. On a envie de... Bah, une bonne pépite, au moins un petit 2-3 millions, quoi. Histoire de. Après, bien sûr, j'aimerais déjà avoir la pépite à 5 millions. Hein. Plus on l'a rapidement, mieux c'est quand même. Il faut se le dire. Alors, donc du coup, il y a les rapports. Et après, il faudrait que je renvoie les 3, je crois. Hein. On a quoi? On a Smith, changement de poste. C'est qui Smith? Ah, ça y est, Mohamed, c'est bon. Mohamed, du coup, qui avait 64. Il a 64. T'as rien changé. Foutez de ma gueule. Hein. Foutez de ma gueule. J'ai pas envie d'y croire. Mais bon, écoutez. C'est pas grave. On va le prendre dans l'équipe senior. Smith, qui a pris plus 2. Bon, bah. Ouais, bon, ce sera pas des joueurs exceptionnels, les gars. Il faut se le dire. C'est tout. Hein. C'est tout. Ils vont pas. Ouais, ils perdent tous en plus de potentiel. Bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on fera un tri plus tard. Maintenant, s'il vous plaît, allez, pour terminer l'épisode en beauté, envoyez-moi du lourd, les gars. Envoyez-moi du très, très lourd. Alors, ce sera peut-être pas en Inde. Hein, ce sera peut-être pas en Inde qu'on va choper un joueur à 5 millions. Et encore, sait-on jamais. Mais ce sera pas en Inde. Ok, l'Inde, c'est pas bon. Ok, on part du côté du Mexique. Et moi, j'ai envie de prendre maintenant que les mecs qui valent au moins plus d'un million, quoi. Donc, qu'on soit presque sûr qu'ils aient au moins 60. Et bien, le Mexique, les gars, rien du tout. Et du coup, l'Arabie Saoudite. Tac. Ouais, non. Ah, tu sens tout de suite que le rapport, il va pas être bon. Arabie Saoudite, c'est non, les gars. Du coup, on a un petit frérot disponible. Et bien, on va l'envoyer. Où ça? Où est-ce que j'ai pas fait encore? En Europe du Nord, il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait, en vrai. Hein. Je suis en train de me dire Angleterre. Je crois même pas que j'ai fait Angleterre et tout. Je crois que j'ai pas fait tout ça là, on est d'accord les gars, Danemark, Norvège, Suède, Estonie, Russie, Finlande, on n'a pas fait tout ça. Tu sais quoi, on va partir en Russie 3 mois. Je crois que j'ai pas fait, hein. Vous me direz dans les commentaires si jamais je me trompe, mais je crois que j'ai pas fait. En tout cas, on va pouvoir se laisser ici pour aujourd'hui les amis. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker dans les commentaires. Bah, proposez-moi toujours des pays si vous avez des recherches spécifiques. Ailier, comme on a vu avant, ailier en Argentine, fort physiquement, je sais pas, moi en Ouzbékistan, j'en sais rien. Bah, proposez-moi dans les commentaires. J'en noterai quelques-uns et on les prendra pour le prochain épisode. Et puis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné encore, bah abonnez-vous, ça régale, ça soutient. Et puis, nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens.